Bonsoir à tous, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis chez vous, bienvenue sur votre chaîne de télévision Réveil TV et nous sommes dans le cadre de l'émission Réveillez-vous. Donc nous sommes aujourd'hui vendredi 28 ou 29, je ne sais plus, mai 2020 et nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Yahushua. Donc nous sommes en direct et nous sommes dans la joie hein, simplement d'être là et de pouvoir partager avec vous l'évangile de Yahushua. Voilà, donc sans plus tarder, on va prendre un temps dans la prière, présenter ces moments entre les mains du Seigneur, afin que lui seul soit glorifié pendant ces moments. Donc Seigneur, merci pour ces moments, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour l'œuvre de la croix. Seigneur, pour le sang versé. Merci parce que tu triomphes, tu règnes. Nous te prions, glorifie ton Saint-Nom, manifeste ta grandeur. Et que toi seul sois élevé, Seigneur, nous nous abaissons. Sois élevé, Seigneur. Que la chair, que l'homme, que l'orgueil, Seigneur, soit détruit au nom puissant de Yahushua et que seule la puissance de ton esprit soit en action. Transforme-nous, Seigneur, et amène-nous de gloire en gloire afin que nous puissions te ressembler pour la seule et unique gloire de ton Saint-Nom, au nom de Yahushua. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, nous sommes dans la joie d'être avec vous ce soir et j'ai à cœur de partager avec nous un court partage, selon que le Seigneur va conduire en fonction du temps qu'on a, sur la loi et la grâce. La loi et la grâce. Pourquoi la loi et la grâce? Parce que la loi et la grâce, la mauvaise compréhension de la grâce ou de la loi ou des deux entraîne beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants du Seigneur à prendre des positions avec des bonnes motivations, mais malheureusement à faire des dégâts dans le monde chrétien, dans la foi, dans les assemblées, auprès des gens. Et souvent, beaucoup de personnes sont blessées, des personnes sont détruites, dépouillées, volées, escroquées, à cause des mauvaises compréhensions de l'Évangile, en fait. Et des familles sont parfois même détruites. Et par la grâce du Seigneur, sans prétention, nous voulons simplement partager ce que le Seigneur nous permet de comprendre justement par rapport à ces choses, en fait. Et il faut savoir que quand on parle de la loi et quand on parle de la grâce, en fait, on parle simplement de deux grandes alliances, parce que dans la Bible, on nous parle de plusieurs alliances. Voilà, et l'objectif, le partage d'aujourd'hui n'est pas de parler sur les alliances, mais quand on parle de la loi et la grâce, effectivement, ça nous renvoie à deux grandes alliances. D'accord? Donc, et on a l'alliance avec Moïse, qui est l'alliance du mont Sinaï, avec la Torah, qui a été donnée comme guide, comme pédagogue, on va le voir. Et on a l'alliance avec Yahushua, qui est la nouvelle alliance. Et on le voit dans Matthieu 26, où le Seigneur dit, d'accord, qu'il demande aux disciples de prendre le repas du Seigneur en signe du sang de l'alliance que lui, Yahushua, va verser. Et on va rentrer dans cette nouvelle alliance à un temps bien précis, marqué par la déchirure du voile. Voilà, donc il est bien important en tant qu'enfant du Seigneur de faire la distinction entre les éléments en rapport avec la loi, donc l'ancienne alliance, et les éléments en rapport avec la foi, donc la loi et la grâce en fait. Donc Moïse et Yahushua, ça veut dire Israël et l'Église aussi, vous voyez? Donc c'est pour faire cette distinction-là. Donc sans plus tarder, on va prendre un passage. Dans le livre de Jean, Jean 1, on va lire le verset à partir du verset 15. Jean 1 à partir du verset 15. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 17. À partir du verset 15. Yohanan rend témoignage à son sujet et il a crié en disant, c'est de celui-ci que je disais, celui qui vient après moi m'a précédé parce qu'il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la Torah a été donnée par le moyen de Moïse et la grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yahushua Mashiach. Donc ici, on nous fait comprendre clairement qu'on a ici deux médiateurs, enfin deux, ouais, deux médiateurs, enfin pas deux médiateurs parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur
il y a Elohim et les hommes, mais par contre deux messagers, si on veut bien, d'accord, qui ont été utilisés pour amener un message. Donc on a d'un côté Moshe, on nous dit que la Torah, donc la loi a été donnée par le moyen de Moshe, la grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yahushua Mashiach. Donc on comprend bien déjà que on a d'un côté les disciples de Moshe et d'un autre côté on a les disciples de Yahushua. Voyez, et quand on le voit dans Acte 15, justement, dans Acte 15, les apôtres durant le concile vont dire que nous savons déjà que Moshe a des Moshe est déjà lu hein, dans les chaque sabbat dans les synagogues parce que Moshe avait des il a des disciples et notamment tous les juifs à l'époque avant l'arrivée de Yoshua avant l'entrée dans la nouvelle alliance sont des disciples de Moshe. Ce sont des fils d'Élohim mais c'était des disciples de Moshe en fait. Moshe pour dire Moïse. Et nous en tant que chrétiens, en tant que membres de la nouvelle alliance, nous appartenons à Yoshua et nous sommes disciples de Yoshua. Ça veut dire qu'en tant que disciples de Yoshua, nous suivons l'enseignement de Yoshua. Donc, frères et sœurs, il est bien important de faire la distinction entre Moshe, donc la loi, l'ancienne alliance, et Yoshua, Jésus-Christ, et la nouvelle alliance. Et vous savez, chaque alliance, dans chaque alliance, il y a des exigences. Une alliance, c'est quoi? Une alliance, c'est une amitié. Une alliance, c'est un serment. Une alliance, c'est un engagement. Une alliance, c'est ça. C'est des responsabilités, c'est des droits et des obligations à l'égard des parties signataires du contrat. Vous voyez? Et dans une alliance, c'est comme ça. Donc, on a cette alliance avec Moshe, qui avait des exigences, et on a cette nouvelle alliance avec Yoshua, qui a aussi ses propres exigences et ses propres lois. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va voir un peu quelques passages par rapport à la loi de Moshe, pour faire bien la distinction entre Moshe et Yoshua. Alors, pour commencer, on va prendre un passage dans Actes chapitre 20, pardon, Exode chapitre 20. Exode 20. Alors, on va prendre Exode 20. On va lire à partir du premier verset, Exode 20. Alors Elohim prononça toutes ces paroles en disant: Je suis Yahweh ton Elohim qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, aux cieux, ni là-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car je suis Yahweh ton Elohim. Et elle, le El jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc ici, on ne va pas tout lire. Ici, on a les 10 commandements qui ont été donnés par Moshe, d'accord, qui ont été donnés par le Seigneur à Moshe et Moshe les a redonnés au peuple. Et vous allez voir à la suite, il va avoir un élément introducteur en fait qui est la suite en fait de ce que nous aujourd'hui nous vivons. On va lire à partir du verset on va lire à partir du verset 18. À partir du verset 18. Tout le peuple voyait les tonnerres, les torches, le son du chauffard et la montagne fumante. Et le peuple voyant cela tremblait et s'éteignait loin. Et il dit à Moshe: Parle-toi avec nous et nous écouterons, mais qu'Élohim ne parle pas avec nous, de peur que nous ne mourions. Et Moshe dit au peuple: N'ayez pas peur, car Élohim est venu pour vous éprouver, afin que sa crainte soit devant vous et que vous ne péchiez pas. Le peuple donc s'éteint loin, mais Moshe s'approcha des ténèbres épaisses où était Élohim. Et Yahweh dit à Moshe: Tu diras ainsi aux enfants d'Israël: Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez pas à côté de moi des Elohim en argent, ni des Elohim en or. Vous n'en ferez pas pour vous. Tu me feras un autel de terre sur lequel tu sacrifieras des holocaustes et des offrandes de paix, ton petit et ton gros bétail, en quelque lieu que ce soit où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me fais un autel de pierre, voilà, et on a la suite de l'histoire. Donc,
Ici, au mont Sinaï, en fait, on a le peuple qui est sorti, parce que c'était la promesse que le Seigneur avait faite à Moïse dans Exode 3. Il lui avait dit que ceci sera le signe pour toi. Lorsque vous serez sorti d'Égypte, vous adorerez Yahweh sur cette montagne. Vous voyez? Et c'était un signe. Et donc, c'était aussi l'accomplissement de la promesse que le Seigneur avait faite à Moïse. Et quand le peuple va arriver, et que le peuple va rencontrer Yahweh, quand Yahweh va donner justement les recommandations, les 10 commandements, le peuple va dire une chose. Il va dire à Moïse, toi, va et parle avec le Seigneur. Parle avec lui et tu viens nous parler. Or, vous allez vous rendre compte qu'au verset, au chapitre 19, en fait, au chapitre 19, alors je recherche le passage. Au chapitre 19, ok, je recherche. En tout cas, le passage, il est dans Exode 19. Je n'ai pas retrouvé le verset parce qu'on veut aller vite à cause du temps, puisqu'il y a le couvre-feu. Le passage, vous allez vous rendre compte que le Seigneur va dire que sa pensée à lui, c'était que il dit, si vous gardez mes commandements, vous serez pour moi un peuple de rois, un peuple de prêtres et de sacrificateurs. Parce que c'était ça à l'origine la pensée du Seigneur, c'était que son peuple en entier soit un peuple de sacrificateurs. Vous voyez? Sauf qu'à cause de la pensée du peuple qu'on a lu tout à l'heure dans Exode 20, à partir du verset 18, il va avoir un élément déclencheur qui va faire en sorte que on puisse avoir une caste de personnes. C'est-à-dire, dans la loi, on va avoir une tribu qui va être mise à part pour servir de médiateur, pour servir de lien, de courroie de transmission entre Elohim et le reste du peuple. D'où la tribu de Lévi va être mise à part, d'accord, pour pouvoir justement faire le service du sacrifice, le service du tabernacle, le service du temple, d'accord, de la tente d'assignation, afin de pouvoir justement faire l'appropriation, la propitiation, de faire le sacrifice de péché pour le peuple. Donc ça, c'est parce que le peuple, en fait, avait peur d'avoir une relation directe avec le Seigneur, parce qu'ils avaient été effrayés par la rencontre avec le Seigneur. Et effectivement, on comprend que le peuple, à cette époque, n'était pas encore prêt. D'accord, merci beaucoup. C'est Exode 19 au verset 6. Merci l'équipe. Donc, le peuple n'était pas encore prêt à recevoir la parole du Seigneur. Le peuple n'était pas encore prêt à recevoir la parole du Seigneur telle que nous l'avons reçue aujourd'hui. Et donc, le Seigneur va donner justement la Torah, donc les 10 commandements, plus les ordonnances et les préceptes. Et il va mettre en place une tribu, il va mettre en place un peuple consacré, mis à part, réservé pour faire le service en vue de permettre aux autres membres des autres tribus de pouvoir accéder, d'accord, à la présence du Seigneur. Vous voyez, et c'est d'où va naître justement le fait qu'on va avoir une tribu à part, donc la tribu de Lévi, dans laquelle on va avoir les Lévites, on va avoir les descendants d'Aaron. D'accord, qui vont être là consacrés pour le service au temple et qui vivaient du temple. Et on peut voir dans plusieurs passages, hein, notamment, on peut prendre Deutéronome 14. Peut prendre Deutéronome 14. Deutéronome 14, on va lire à partir du premier verset. On va descendre, pardon, légèrement. Encore, on va descendre. On va descendre. On descend. Voilà. Deutéronome 14 à partir du verset 22. Voilà. Tu lèveras la dîme. Donc ici, le Seigneur parle au peuple d'Israël. Tu lèveras la dîme, tu lèveras la dîme de tout le produit de ta semence, de ce qui sortira dans ton champ chaque année, de ton champ année d'année en année, et tu mangeras devant Yahweh ton Elohim
à l'endroit qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. La dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, et les premiers de ton gros et de ton petit bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours Yahweh ton Elohim. Mais si le chemin est trop long pour que tu sois, que tu, pour toi, si tu ne peux les transporter parce que l'endroit choisi par Yahweh pour y faire habiter son nom est trop loin de chez toi, lorsque Yahweh ton Elohim t'aura béni, alors tu les convertiras en argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras à l'endroit que Yahweh ton Elohim aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désirera, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce que ton âme demandera, tu le mangeras devant Yahweh, ton Elohim, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Ensuite, on a au verset 27, tu n'abandonneras pas le Lévite qui sera dans tes portes parce qu'il n'a ni portion ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu feras sortir toutes les dîmes de tes produits de cette année-là et tu les déposeras dans tes portes. Alors le Lévite qui n'a ni portion ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes viendront, mangeront et se rassasieront afin que Yahweh ton Elohim te bénisse dans toute l'œuvre que tu feras de tes mains. Donc ici, vous voyez, frères et sœurs, par rapport à la loi, on va avoir justement l'instauration des dîmes, pas de la dîme, contrairement à ce qui est enseigné dans les assemblées. On ne parle pas de la dîme, mais la Bible parle des dîmes, parce qu'il y avait plusieurs dîmes. Et les dîmes, justement, ont été instaurées à l'époque de la loi. C'est le Seigneur qui a donné ce commandement à Moshe, afin que les Lévites, qui eux avaient été mis à part par le Seigneur, parce que, souvenez-vous, lorsque vous lisez la répartition du territoire de Canaan, avant le Jourdain et après le Jourdain, parce que la répartition s'est faite en 2 temps. La première partie du premier côté du Jourdain, donc du côté égyptien, et vous avez la deuxième partie qui est après le Jourdain. Lorsque la répartition a été faite, on n'a pas tenu compte de la tribu de Lévi. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'on a souvent deux façons de compter, sinon 3 façons de compter les tribus. D'accord? On a le décompte en tenant compte de la tribu de Lévi. Et dans ce cas, on compte Manassé et Éphraïm comme étant une seule tribu, chacun une demi-tribu, où on enlève justement la tribu de Lévi et on compte Manassé et Éphraïm chacun comme étant une tribu. Donc, voilà. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, on voit ici, à l'époque de la loi, il y a eu les dîmes. Quand on lit Lévitique chapitre 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, on peut prendre Lévitique 1, hein, juste pour illustrer. Lévitique chapitre 1, Lévitique chapitre 1, à partir du premier verset. Lévitique chapitre 1, vous allez voir que dans Lévitique, on nous parle des sacrifices. Alors, on peut descendre. On n'est pas sur le passage. Voilà. Les holocaustes. Yahweh appela Moshe et lui parla de la tente d'assignation en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Lorsqu'un humain parmi vous présentera à Yahweh une offrande d'une bête à 4 pattes, il fera son offrande de gros ou de petit bétail. Si son offrande pour un holocauste de gros bétail, si son offrande pour un holocauste est de gros bétail, pardon, il présentera un mâle sans défaut. Il la présentera de son bon gré à l'entrée de la tente d'assignation devant Yahweh. Et il posera sa main sur la tête de l'holocauste. Et il sera agréé en sa faveur pour faire l'appropriation pour lui, propitiation pour lui. On tuera le jeune taureau devant Yahweh, et les fils d'Aaron, les prêtres, présenteront le sang et aspergeront de sang le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. On dépouillera l'holocauste et on le coupera en morceaux. Les fils du prêtre Aaron mettront le feu sur l'autel et en rangeront du bois sur le feu. Les fils d'Aaron, les prêtres, arrangeront la tête et la graisse sur le bois qui sera au feu sur l'autel. Mais il lavera avec l'eau les entrailles et les jambes. Le prêtre brûlera toutes ces choses sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, un parfum apaisant pour Yahweh. Vous voyez donc, vous allez voir Lévitique 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir, ce sont les holocaustes, les sacrifices, les actions de grâce et tout le reste. Les différentes offrandes, d'accord, qui étaient faites à Yahweh, ces choses ont été instaurées
dans l'ancienne alliance. Et sont justement des ordonnances, des lois relatives à la loi de Moïse, à la loi de Mosché. Vous voyez? Et vous allez vous rendre compte, par exemple, que dans la loi, on faisait comprendre que lorsqu'une femme avait ses menstrues, hein, elle avait ses menstrues, elle ne pouvait pas être touchée par les gens parce que la personne qui l'a souillée, qui l'a touchée, ou qui touchait un objet touché par elle, un lit, ou une chaise, cette personne était considérée comme souillée et devait se mettre à l'extérieur du camp pendant toute la journée et devait se purifier. Vous voyez, pour dire que la loi de Mosché avait des exigences qu'aujourd'hui la loi de Moïse, la loi de Yoshua n'a pas, et la loi de Yoshua a des exigences que la loi de Mosché n'avait pas. Vous voyez? Donc on ne peut pas mélanger les deux. Ce n'est pas possible. Évidemment, il y a des éléments dans la loi de Mosché. Les éléments de la loi de Mosché préfiguraient beaucoup Christ, notamment les sacrifices. On sait que les sacrifices préfiguraient Christ. Les holocaustes sur l'autel et tout le reste. L'agneau pascal, toutes ces choses, c'était la préfiguration de Christ. Les différentes fêtes qu'on trouve dans Lévitique 23, c'était la préfiguration de Christ. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Le corps est en Christ. Vous voyez? Christ est la réalité. Et ces choses-là, c'était l'image, c'était l'ombre. Vous voyez? Donc, ça, c'est la loi. Frères et sœurs, la loi c'est Moïse. Vous voyez, la loi c'est Moïse. Et la loi, d'accord, avait ses exigences, avait sa façon à elle de fonctionner. Vous voyez, la Bible nous fait comprendre, par exemple, quand on prend Galate, on va prendre Galate 3, Galate 3. Galates 3, on va lire à partir du premier verset, on reviendra beaucoup sur Galates et sur d'autres passages. Ô Galates, dénués d'intelligence, qui vous a ensorcelés pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Yoshua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Êtes-vous ainsi dénué d'intelligence, ayant commencé par l'Esprit, finiriez-vous maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère en vous des miracles, est-ce par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Maintenant, on va nous expliquer la différence entre la loi, la Torah et la grâce. On descend. Comme Abraham crut en Élohim, cela lui fut compté comme justice. Sachez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont enfants d'Abraham. Mais l'Écriture prévoyant qu'Élohim justifierait les nations par la foi a prêché d'avance l'évangile à Abraham en lui disant, toutes les nations seront bénies en toi. C'est pourquoi ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Maintenant, on lit au verset 10. Car tous ceux qui sont des œuvres de la Torah sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne préserve pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la Torah et ne les met pas en pratique. Vous voyez? Et ne les met pas en pratique. Et vous allez vous rendre compte que par rapport à ça, la loi exigeait à ce que lorsqu'un commandement était donné, et Jacques le dit aussi dans le livre de Jacques, on en parle, que si quelqu'un, d'accord, pêche contre un commandement, il a péché contre l'ensemble des commandements. Le livre de Jacques en parle. Vous voyez? Et la loi exigeait dans Deutéronome 27, justement, que le peuple soit dans l'obéissance totale de l'ensemble des commandements. Effectivement, nous avons aussi cette exigence dans la grâce d'obéir à tous les commandements du Seigneur, d'obéir totalement au Seigneur. Mais c'est de comprendre que par rapport à la loi, ben, il y avait des commandements et la Bible nous fait comprendre dans le livre de Romains que la justice qui vient de la loi s'exprime ainsi. Celui qui mettra ses commandements en pratique vivra par eux. C'est ça le problème de la loi, c'est que
pour obtenir la grâce du Seigneur, il fallait mettre l'ensemble des commandements en pratique. Et on était justifié au travers de l'obéissance des commandements. Donc la justification venait par les commandements. Vous voyez, ça, c'est la loi de Moïse. Donc si on peut ramener le passage à l'écran, ça, c'est la loi de Moïse. Donc on était dans Galates 3 à partir du verset 10. Et que personne ne soit justifié devant Elohim par la Torah, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la Torah ne procède pas de la foi, mais elle dit, l'être humain qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Le livre de Romains aussi nous en parle. Effectivement, Galates aussi nous en parle. La Torah ne procède pas de la foi, mais elle dit, l'être humain qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, c'était la loi qui justifiait. Mais c'était une justification imparfaite parce que le souvenir des péchés, nous enseigne Hébreux, était renouvelé chaque année et il fallait continuer à offrir des sacrifices qui ne rendaient pas parfaits ceux qui offraient ces sacrifices. Ça, c'est encore l'objet d'un autre partage. Donc, frères et sœurs, vous voyez, là, on est dans la loi. On est dans la loi. La loi, c'est quoi? C'est Moshé, c'est des commandements, c'est les sacrificateurs, c'est la tribu, les enfants descendants d'Aaron qui ont été établis comme prêtres, c'est les autres membres de la tribu de Lévi qui ont été établis comme chantres, c'est les sacrifices d'animaux, c'est plein de choses, vous voyez. Et ces choses-là, malheureusement, les dîmes et tout le reste, ces choses, le Shabbat, parce on constate encore qu'il y a malheureusement des chrétiens qui observent le Shabbat aujourd'hui. Toutes ces choses, malheureusement, beaucoup de chrétiens les ont ramenées encore dans l'Église. Vous voyez? Maintenant, on va voir la grâce. C'est quoi la grâce? Qu'est-ce que la grâce nous dit? Vous voyez? Quels sont les avantages de la grâce comparativement à la loi? Donc, on va revenir sur le passage de Galates 3, qui est assez important, avant qu'on aille sur d'autres passages, le passage de Galates toujours. On va descendre. Machia nous a rachetés de la malédiction de la Torah en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc on a une information première, c'est que la loi nous met sous la malédiction. Pourquoi? Parce que si tu n'observes pas tous les commandements de la loi, tu portes une malédiction. Vous voyez? Ça, c'est le premier caractère. Le deuxième caractère de la loi, c'est que pour être justifié, pour être sauvé, il fallait judaïser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour judaïser, il fallait observer l'ensemble des commandements, notamment la circoncision. Il fallait se faire circoncire. Il fallait que lorsqu'un enfant mâle était né, il devait être circoncis le huitième jour de sa naissance. Est-ce que vous voyez un peu? Il devait être circoncis le huitième jour de sa naissance et il devait être présenté au temple. Vous voyez? Et avec des offrandes qui accompagnaient ces choses. Donc ça, c'était la loi de Moïse. Et la Bible nous fait comprendre justement que cette malédiction dans laquelle nous étions par rapport à la loi de Moïse, le Seigneur, en mourant à la croix, nous a accordé la délivrance par rapport à ça. Donc vous voyez, on a deux dispensations différentes, deux alliances différentes. Une alliance par laquelle, pour laquelle, donc c'est-à-dire l'ancienne alliance, pour laquelle, pour obtenir la justification, il fallait obéir à l'ensemble des commandements sans broncher sur un seul, sinon on était sous la malédiction. Il fallait judaïser pour toutes les nations non juives et il fallait observer scrupuleusement les commandements. Et si on ne respectait pas les commandements, on pouvait même être lapidé. Parce qu'il y avait des commandements pour lesquels on ne blaguait pas. Et si on sortait de la parole, de la Torah, ben on risquait d'être lapidé. Par exemple, à l'époque de la loi, une femme qui avait trompé son mari, la personne qui était attrapée en flagrant délit d'adultère, l'homme et la femme devaient être lapidés. C'est pourquoi vous allez voir dans Jean 8 cette histoire où la femme est attrapée et on dit à Yoshua que Moshe a dit que lorsqu'une femme est saisie, on doit la lapider. Bon, malheureusement, dans l'histoire, on ne sait pas où était passé l'homme. Est-ce qu'il s'était enfui? Est-ce que c'était l'ami de ces personnes-là? On ne sait pas. Bref. Donc, la loi, c'est ça. La loi, c'est la condamnation. La loi, c'est la malédiction. Yoshua meurt à la croix, nous accorde la grâce et nous délivre de la malédiction, frère. Il nous délivre de la malédiction de la loi, il nous délivre de l'emprise du joug, parce que la loi aussi c'est le joug. Alléluia. La loi c'est le joug.
Et Yoshua meurt à la croix pour nous délivrer. On continue la lecture du passage, frère. On continue la lecture du passage. On était au verset 13. Machia nous a rachetés de la malédiction de la Torah en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations en Machia et Yoshua, et que nous recevions par le moyen de la foi l'esprit de la promesse. » On a une deuxième information, c'est que la première information qu'on a eue, c'est qu'il nous délivre de la malédiction. La deuxième information qu'on a, c'est que la bénédiction d'Abraham devait arriver aux nations maintenant. Parce qu'à l'époque, la Bible nous enseigne dans Éphésiens que nous étions privés du droit de cité en Israël. Nous étions sans Dieu, sans Elohim. Nous étions, nous nations non-juives, nous étions sans Elohim, sans Dieu. Nous adorions les bois, nous adorions les plantes, nous adorions la nature, nous adorions les morceaux de fer, nous adorions beaucoup de choses. Et évidemment, nous avons appris à adorer l'Elohim véritable parce que la Torah est arrivée en Afrique. On le voit, on voit bien qu'il y avait des peuples africains qui adoraient le Seigneur plus tard parce qu'ils ont connu la Torah, vous voyez. Mais comme cela n'était pas ouvert à tout le monde, il a fallu que le Seigneur, dans son plan, il avait prévu que par la promesse d'Abraham, la bénédiction devait arriver aux nations par Yoshua. Donc ça, c'est la deuxième information que la grâce nous accorde. On comprend que la grâce nous permet de bénéficier de la bénédiction d'Abraham. La troisième information qu'on a, c'est que la grâce nous permet de bénéficier de l'Esprit. Alors que dans la loi, l'Esprit était donné à une catégorie de personnes, notamment aux prêtres, à certains rois et aux prophètes. Vous voyez, ça, c'est la différence entre la loi et la grâce, frère. C'est pourquoi on ne peut plus se mettre aujourd'hui sous la loi. Parce que la loi nous a privés de beaucoup de choses. La loi nous a empêchés de bénéficier d'énormément de privilèges par rapport au Seigneur. La loi nous a empêchés d'avoir accès au lieu très saint. Vous voyez, la loi nous a empêchés d'avoir accès au lieu très saint. Parce que même le grand prêtre, avait seulement l'autorisation de rentrer dans le Saint des Saints une fois par an pour apporter le sacrifice pour tout le peuple. Il n'avait pas accès au Saint des Saints chaque jour. Il avait seulement accès au lieu saint, d'accord, mais il n'avait pas accès au Saint des Saints. Vous voyez, le Saint des Saints était fermé. La Bible nous enseigne dans Hébreux que la parole nous enseigne par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Alléluia. Mais quand Mashiach, nous avons eu l'ouverture de cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut revenir sur le passage? Ce passage est riche en informations. On a beaucoup d'informations sur ce passage. Et Paul nous dit, frère, je parle à la manière des humains. Un testament en bonne forme, bien que fait par un être humain, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Alléluia. On comprend ici que la grâce et la loi, ben c'est différent. Dans la grâce, on a un testateur. Vous voyez? Mais dans la loi, on n'a pas de testateur. Vous voyez? C'est pourquoi dans la loi, il n'y a pas de promesse. On ne bénéficie pas de promesse sur la base d'un testament dans la loi. C'est pourquoi, justement, c'est une erreur quand les gens traduisent en disant Ancien Testament, Nouveau Testament. Il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas de testament là-bas. Il n'y a pas de testateur. Vous voyez? Dans la grâce, on a la grâce d'avoir un testateur. Nous avons le testament de Yoshua qui nous a fait des promesses. Or, le testament ne rentre en vigueur. Les bénéficiaires du testament ne peuvent bénéficier des choses qui leur ont été léguées dans le testament qu'après la mort du testateur, de celui du testateur. Vous voyez? Donc, nous, en tant qu'enfants de la grâce, nous avons bénéficié par la grâce de Yoshua des promesses qu'il nous a faites. Il nous a fait la promesse. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Je m'en vais et je reviendrai. Et je vous prendrai et vous serez avec moi. Et aujourd'hui, nous savons que Yoshua nous a promis une place et il la prépare. Il a dit, je m'en vais, il est bon que j'aille. Sinon, vous ne recevrez pas l'Esprit. Et quand il est parti, il a dit aux disciples, aux apôtres, ne vous éloignez pas, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous aurez reçu la promesse, l'Esprit Saint. Et la Bible nous enseigne que le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, l'Esprit est descendu sur eux sous la forme de flammes de feu. Et l'Église est née, frère, et ils ont été embrasés. Et nous aussi avons reçu cette grâce de recevoir l'Esprit d'Élohim. Alléluia.
Alors que ceux qui étaient sous la loi, à leur époque, ne bénéficiaient pas de l'esprit. Tout le monde ne bénéficiait pas de l'esprit, frère. Paul, quand il était encore sous la loi, malgré le fait qu'il était oh, pharisien, qu'il était irréprochable à l'égard de la loi, comme lui-même il dit, il n'avait pas l'esprit, frère. C'est pourquoi Paul va dire que toutes ces choses, je les ai regardées comme étant de la boue. Et je les regarde maintenant comme de la boue, afin de gagner Christ. Parce que Christ, c'est l'espérance de la gloire, frère. Christ, c'est la gloire. Christ, c'est, oh, alléluia. Christ, c'est la puissance. Christ, c'est la vie, frère. C'est pourquoi on ne doit pas s'arrêter sur la loi, demander aux gens les offrandes, les dîmes. Ceux qui s'arrêtent là, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Avec tous les privilèges que nous avons par la grâce, oh Seigneur, tous ces privilèges que tu nous donnes, comment s'arrêter sur les dîmes? Comment s'arrêter sur les offrandes? Comment s'arrêter sur les sacrifices, sur autant de bassesse? Alors que par le testament de Josué, oh alléluia, imaginez frère, imaginez les fils d'un homme riche. Leur père a fait le testament, frère. Le père a dit non, tel, mon fils Georges va hériter de mon entreprise qui est aux États-Unis. Mon fils Isaac va hériter de mon entreprise qui est au Gabon. Mon fils Abraham va hériter de mon entreprise qui est en France. L'autre va hériter de mes maisons. L'autre va hériter de mes comptes bancaires. L'autre va hériter du brevet de telle invention que j'ai faite. Et tant que le père est vivant, il ne peut pas jouir de cela. Mais le jour où le père meurt, frère, après l'enterrement du père, le notaire va venir et il va ouvrir le testament. Il va dire, toi, voilà ce qui t'appartient. Et ensuite, il va avoir la mutation des biens, frère. Les biens vont devenir la propriété des fils. Et nous avons reçu les promesses de Josué. Nous sommes rentrés dans ces promesses, frère. Lorsque le voile du temple a été déchiré en deux, oh, alléluia, nous avons eu accès au Saint des Saints, frère. Et le sacerdoce de Mosché a pris fin. Parce que le grand prêtre avait osé déchirer son habit. Lorsque Mosché lui avait parlé, il a déchiré son vêtement. Or, il était interdit au grand prêtre de déchirer son vêtement. Il était interdit. Ce jour-là, il avait enlevé l'autorité qui était sur lui pour la transmettre à l'Église, frère. C'était la fin pour lui. La fin pour lui, frère. Parce que le lendemain, Josué avait été sacrifié. Et le rideau du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré en deux, frères. Ce lieu qui n'était pas visible de tout le monde a été vu. Nous avons eu accès, frère. Nous avons eu accès, frère. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Comment s'arrêter sur la loi? Comment s'arrêter sur de telles choses? Comment s'arrêter dessus? Comment se prendre pour des chantres, frères, sœurs? Chantres, c'est un abus de langage. Les chantres appartenaient exclusivement à la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, ce n'est pas les fonds. La tribu de Lévi, ce n'est pas les quotas. La tribu de Lévi, ce n'est pas les guissiers. La tribu de Lévi, ce n'est pas les Bapounous. La tribu de Lévi, ce n'est pas les Nigériens. Ce n'est pas les Ghanéens. La tribu de Lévi, ce n'est pas les Sénégalais, les Maliens. La tribu de Lévi, ce n'est pas les Français. Frères, ce sont des Juifs. Donc quand les gens disent qu'ils sont chantres, c'est un abus de langage. Frère, si tu es chantre, repars dans l'ancienne alliance. Tu n'as pas part à l'héritage du Seigneur dans la grâce. Les chantres étaient exclusivement des juifs. Vous allez voir dans la Bible, il n'y a aucun chantre non juif. Ils étaient tous des lévites. Tous lévites. Chantres, lévites. Vous voyez? Et Yahweh et David va les diviser en classes. En 24 classes. Des chantres. Vous voyez? Donc aujourd'hui, en tant que chrétien, on ne peut pas dire qu'on est chantre. Vous voyez, chantre. Et les chantres, quel était leur rôle, quel était leur travail? Regardez dans les Écritures. Vous allez voir que le rôle des chantres, à l'époque de l'Ancienne Alliance, d'accord, ils étaient consacrés à être aux portes et à chanter et à louer Yahweh. Et lorsque le peuple allait en guerre, les chantres aussi étaient devant. Ils avaient la responsabilité de louer devant l'arche. Vous voyez? Donc, frère, aujourd'hui, il n'y a plus l'arche. Aujourd'hui, il n'y a plus les guerres telles qu'on les faisait. La guerre est spirituelle. Et les armes pour la guerre sont dans Éphésiens 6. Chacun les a. La Bible nous dit que chacun loue le Seigneur avec sa bouche. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de chantres. Il y a des gens qui ont reçu la grâce pour chanter.
mais ils ne peuvent pas se qualifier comme étant des chants, c'est-à-dire des personnes consacrées, mises à part pour chanter et qui doivent être nourries par le temple. Non, déjà qu'il n'y a plus de temple, parce que la Bible nous enseigne que nous sommes, nous, enfants d'Élohim, le temple du Saint-Esprit. Et vous voyez, frère, c'est ça. À l'époque de la loi, il y avait le temple. Tout était rattaché au temple. Les sacrifices étaient rattachés au temple. Le service était rattaché au temple. Aujourd'hui, le service est toujours rattaché au temple, mais c'est nous le temple. Et on fait tellement de confusion qu'on a pris les bâtiments d'église où on se réunit et on les a appelés temples. J'écoute parfois des frères qui disent « Oui, nous sommes en train de travailler sur la construction du temple. » Frère, c'est un abus de langage. On peut comprendre que certains le disent comme ça, mais il ne faut plus le dire. Ce n'est pas la construction du temple, c'est la construction d'un lieu de réunion. Ou ça peut être la construction d'un lieu pour une vision ou un centre de formation, mais ce n'est pas un temple. Ce n'est pas un temple, frère. Il n'y a plus de temple. C'est fini, les temples, frère. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 3 que nous sommes le temple du Saint-Esprit, frère. Le temple du Saint-Esprit, c'est nous. C'est nous le temple du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est la grâce dans laquelle nous sommes. On revient sur le passage de Galates avant de basculer sur un autre passage. Alléluia. On revient sur le passage de Galates. Mais voici ce que je dis. Une alliance qu'Élohim a établie d'avance en Machiav ne peut être annulée par la Torah survenue 430 ans plus tard, ce qui abolirait la promesse. Car si l'héritage venait de la Torah, il ne viendrait plus de promesse. Or, c'est par la promesse qu'Élohim a fait à Abraham ce don de sa grâce. Mon Dieu, mais c'est grave ça. Si l'héritage venait de la Torah, ça veut dire que l'héritage de la bénédiction. Or, on a lu plus haut que nous avons nous reçu la bénédiction d'Abraham. Abraham était riche. La richesse, nous l'avons en Abraham, nous en tant que chrétiens. Les biens que nous avons, nous l'avons par la promesse que Yahweh a faite à Abraham. D'où vient le fait qu'on nous demande de donner de l'argent, des offrandes, des dîmes pour bénéficier des bénédictions? Alors que la Bible nous fait comprendre ici que si l'héritage, c'est-à-dire les promesses d'Abraham, devait venir par la Torah, il ne viendrait plus de la promesse de par Yahushua. C'est pourquoi on nous fait comprendre que ceux-là qui sont sous la loi, justement, ils annulent la grâce. On rend nul l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce qu'on s'attache à la loi de Moïse. Et ça, c'est grave, frère. Dire aux gens, si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras maudit, c'est grave. On doit arrêter de tels messages. Dire aux gens, tu travailles le dimanche, c'est le jour du Seigneur, tu seras maudit, c'est grave. Qui vous a dit que dimanche était le jour du Seigneur? Déjà, si on doit s'appuyer par rapport à la loi, le jour consacré à Yahweh, c'était le samedi et non le dimanche. Dimanche est le premier jour de la semaine selon le calendrier juif et non le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur était le samedi, le Shabbat, frère, et non le dimanche. Le dimanche était le premier jour de la semaine. Les Juifs travaillaient le dimanche. C'est le samedi qui ne travaillait pas. Mais nous ne sommes plus sous la loi, frère. On va lire un passage. On va d'abord continuer avec Galates. On termine avec Galates et on va lire ce passage. On descend. Alors pourquoi la Torah? Pourquoi la Torah, frère? C'est une question. Pourquoi la Torah? Pourquoi nous avons la Torah dans la Bible? Pourquoi le Seigneur a donné la Torah? Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Quelle est cette postérité? À nous. Parce qu'on nous fait comprendre qu'il y a deux postérités. Il y a la première postérité qui est la postérité qui est encore sous l'esclavage. C'est-à-dire cette postérité-là, charnelle. Qui sont les Juifs? Le peuple juif, les descendants d'Abraham, les enfants d'Abraham, la nation juive. Et on a la deuxième qui est, d'accord, la postérité spirituelle, c'est-à-dire les enfants que le Seigneur a donnés à Abraham par Yahushua, qui est lui descendant en tant qu'homme d'Abraham. Donc nous sommes, nous, enfant d'Abraham par la promesse qu'il a reçue. Et on nous fait comprendre ici, alors pourquoi la Torah, elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été prescrite par le moyen des anges et par l'entremise d'un médiateur. Frère, on apprend ici que la Torah a été prescrite par les anges. Les anges, frère.
Nous, l'espérance que nous l'avons reçue d'Elohim directement, qui s'est fait chair et qui est venue. On nous dit que la parole s'est faite chair. Elle a vécu au milieu de nous, pleine de grâce, frère. Et on nous dit au verset 20, « Or, le médiateur n'est pas pour un seul, mais Elohim est un. » La Torah est-elle d'un contre les promesses d'Elohim que cela n'arrive jamais? Car s'il avait été donné une Torah qui puisse donner la vie, la justice viendrait vraiment de la Torah. Mais l'Écriture a enfermé par la foi en Yahushua Mashiach à ceux, pardon, mais l'Écriture a enfermé ensemble toutes choses sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Yahushua Mashiach à ceux qui croient. En qui? En Yahushua. Si tu confesses dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses dans ton cœur que Christ est ressuscité, alors tu seras sauvé. C'est ça la foi. Or, avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la Torah, enfermés ensemble en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la Torah a donc été notre pédagogue. Donc, la Torah, c'était juste un enseignant, juste pour nous conduire à Dieu, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, conclusion, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, frère. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Qui est ce pédagogue? La Torah. C'est écrit. Frère, vous lisez ces choses, mais vous les acceptez pas. Pourquoi? Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. La foi étant venue, la foi en Yahushua étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est fini. Tu peux manger le silure. Tu peux manger le porc. C'est fini. Pourquoi ne pas manger le porc? Ça, c'était la loi. On ne mange pas les animaux qui ont deux sabots et qui ne ruminent pas. On ne mange pas telle chose. On ne mange pas ceci. On ne mange pas les poissons qui n'ont pas d'écailles. Frère, ça, c'était la loi. En Yahushua, on mange tout. Alléluia. On mange de tout. On mange de tout. C'est écrit. Alléluia. On va d'ailleurs le lire avant de passer sur un autre, d'aller sur un autre passage. Oh, j'aime la parole du Seigneur parce que elle est bonne pour nous. Alors, on va prendre un passage. On va prendre 1 Corinthiens 8. À partir du verset 8. 1 Corinthiens 8, à partir du verset 8. Alléluia. Nous aimons la parole du Seigneur, frère, et nous espérons que vous aimez aussi chez vous la parole du Seigneur parce qu'elle est riche. Or, ce n'est pas un aliment qui nous place près d'Elohim. Car si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas un aliment qui nous place près d'Elohim. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons aussi rien de moins. Rien de moins, frère. Rien de moins. Oui. Et vous allez voir la vision de Paul, de Pierre, dans acte 9. Vous voyez la vision de Pierre, comment Pierre, pendant qu'il est monté sur le toit pour prier, il va voir une corbeille qui va descendre avec des animaux impurs. Et le Seigneur va lui dire, tue et mange. Et le Seigneur va lui dire une chose. Ce que j'ai déclaré pur, personne ne peut le déclarer impur. Vous voyez? Or, la Bible nous dit que tout est pur pour celui qui est pur. Donc, aujourd'hui, on peut tout manger. La Bible nous dit, vous mangez de tout sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Donc, on mange de tout, frère. On mange de tout. Tant que ce n'est pas nocif pour la santé, on mange de tout. Tant qu'il n'y a pas du poison à l'intérieur, il n'y a pas de substances dangereuses pour le corps, ça se mange. Ça se mange. Sauf si, évidemment, aussi, c'est des espèces protégées, des animaux, des poissons protégés à l'égard de la loi et tout le reste. OK, on ne va pas les manger, non pas parce que le Seigneur interdit, mais parce qu'il y a des lois humaines qui interdisent justement de pouvoir tuer ces espèces, les baleines, des trucs comme ça. Il y a des espèces aussi dans la forêt qui sont interdites, qu'on interdit de tuer, telles que les éléphants, voilà, telles que le pangolin aujourd'hui qui est protégé et qui d'ailleurs est soupçonné d'avoir apporté le coronavirus. Mais la Bible nous demande de manger de tout, voilà, par motif de conscience.
Merci l'équipe technique. Donc c'est dans acte 10 pour la vision de Pierre, pas acte 9. Merci beaucoup, parce qu'effectivement c'est dans acte 10 que Pierre rencontre Corneille. Donc voilà ce qu'on a compris, frère. On va prendre un autre passage dans Romains 10. Romains 10. À partir du verset 1, frère, le désir de mon cœur et ma supplication à Elohim pour Israël est vraiment en vue du salut, car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Elohim, mais non pas selon la connaissance précise et correcte, car ne connaissant pas la justice d'Elohim et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice d'Elohim, car Machia est la fin de la Torah pour la justice de tout croyant. Car Machia est la fin de la Torah pour la justice de tout croyant. Regardez la suite. Car Moshe écrit à propos de la justice qui vient de la Torah. L'être humain qui aura pratiqué ces choses vivra par elle. Mais ainsi parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Machia, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Machia d'entre les morts. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche, et dans ton cœur. Et voilà la parole de la foi que nous prêchons. Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yahushua, si tu crois dans ton cœur qu'Elohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est du cœur que l'on croit à la justice et c'est de la bouche que l'on fait profession de la foi. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Car il n'y a pas de différence entre le juif et le grec puisqu'ils ont le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Regardez les avantages de la grâce, frère. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on rencontre toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui? Pourquoi on a l'impression que les pasteurs sont devenus comme les prêtres de l'ancienne alliance? Parce qu'ils ont simplement, beaucoup ont mal compris l'ancienne alliance et n'ont pas compris qu'il y a eu une rupture. Vous voyez, il y a eu une rupture. On n'est plus sous l'ancienne alliance, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et comment se passent les choses sous la grâce? Mais simplement, on va prendre quelques passages, des passages simples que nous avons l'habitude de lire et mais sur lesquels, pour lesquels nous ne faisons pas attention. Et aujourd'hui, je crois que par la grâce du Seigneur, il va nous faire du bien. Donc, on va prendre un passage. Premièrement, dans Acte 20. Non, on va prendre d'abord Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, au verset 20. Alléluia. Le Seigneur est magnifique. On va lire à partir du verset 19. Ainsi donc, vous voyez, ça c'est, il y a tellement de choses à dire sur la grâce, mais on va essayer d'avancer parce que le temps, on est bientôt à une heure. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Élohim, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yahushua Machia lui-même étant la pierre angulaire. Donc, nous, notre foi, en tant que disciples de Yahushua, a été bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Quels apôtres? Les prophètes de l'agneau. Les apôtres de l'agneau, les prophètes de l'agneau qui ont bâti notre foi. Alléluia. Et Jude nous en parle. Il nous dit dans Jude 1 qu'il nous invite à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc la foi a déjà été transmise par qui? Par les apôtres, par les prophètes, les saints prophètes. D'accord? Et on va lire un autre passage dans Acte 20, à partir du verset 20, je crois. Acte 20. Acte chapitre 20, à partir du verset 20. Voilà. On va remonter un peu pour que les frères et les sœurs qui nous suivent puissent mieux cerner le sens de ce qu'on lit. Voilà. Mais de Milet, il envoya appeler à Éphèse les anciens de l'assemblée.
Et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous dès le premier jour où j'ai mis les pieds en Asie. Étant esclave du Seigneur en toute humilité et avec beaucoup de larmes et de tribulations qui me sont arrivées par les complots des Juifs. Comment je ne vous ai rien caché des choses qui étaient utiles, ne manquant pas de vous les annoncer et de vous les enseigner publiquement et dans les maisons. Donc ici, on a une information capitale. Il dit que Paul dit, je ne vous ai rien caché des choses qui vous étaient utiles, ne manquant pas de vous les annoncer, de vous les enseigner publiquement et dans les maisons. Donc, on a deux informations qui nous rassurent par rapport à notre foi. C'est que notre foi est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, selon qu'on la lit dans Éphésiens 2:20. Et ici, dans Actes 20:20, on voit bien que Paul dit qu'il a enseigné tout le conseil, d'accord, et qu'il n'a rien caché de ce qui nous était utile. Or, si Paul nous a tout enseigné, c'est qu'aujourd'hui, comme Jude nous le dit, la foi a été transmise une fois pour toutes, nous avons l'ensemble des Écritures. Alors, comment aujourd'hui on se rend compte que les pasteurs ont pris la place des chrétiens dans l'Église? Les chantres se prennent aujourd'hui pour des stars. Les chantres vendent les CD et toutes ces choses. Mais c'est parce que ils estiment avoir un privilège particulier qu'ils tirent de la loi. En disant qu'ils sont à part, ils sont consacrés à part, et donc ils n'ont rien à voir avec les autres. En fait, c'est une erreur. Beaucoup le font avec un cœur pur, mais c'est une erreur. Et justement, pour les aider, il faut les interpeller. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Nous travaillons, nous prêchons l'évangile pour interpeller l'ensemble des frères et sœurs. Parce que Yahushua revient, frère. Malgré notre cœur pur, malgré nos bonnes motivations, nous pouvons nous retrouver en enfer. Malgré nos cœurs purs, nous pourrons nous retrouver loin du Seigneur lorsqu'il reviendra pour chercher son ecclésia. C'est pourquoi chacun de nous doit se préparer. Voyez. Donc aujourd'hui, on voit toutes ces choses. Il y a des pasteurs qui réclament la dîme, des pasteurs qui maudissent les gens. Pourquoi? Parce que ces malédictions, à l'époque, c'était quoi? C'était sous la loi. Ils se prennent pour Élisée qui avait maudit ces jeunes gens qui s'étaient moqués de lui. Monte chauve, et il a dit que l'ours devait sortir pour les tuer. L'ours est sorti pour les tuer. Vous voyez? À l'époque, on a Élisée qui a invoqué le feu, qui est descendu du ciel et qui a consumé les serviteurs qui avaient été envoyés par le roi. Vous voyez? On a Élie qui a prié pour que le ciel soit fermé. Donc, ces personnes-là s'appuient sur les éléments de l'ancienne alliance. Et c'est pourquoi vous allez voir que même Jean et Jacques, je crois, vont vouloir faire la même chose parce que c'était des Juifs. Ils connaissaient la Torah. Et ils vont dire, Seigneur, à propos des Samaritains, veux-tu que nous invoquons le feu du ciel? Je crois que c'est dans Jean 9, les frères, si vous pouvez m'aider à retrouver ce passage-là. Veux-tu que nous invoquions le feu du ciel comme Élie l'a invoqué sur les Samaritains? Frère, c'est grave. Et qu'est-ce que Yeshua va leur dire, si on peut retrouver ce passage-là? Merci beaucoup, les frères. Aidez-moi, s'il vous plaît. On travaille en équipe. Merci. Parce que Yeshua va leur dire, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas de quel esprit. Donc, dès qu'on retrouve le passage, c'est bon, on peut l'afficher à l'écran. Comme ça, on va le partager avec les frères et sœurs qui nous regardent depuis chez eux. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. On va bientôt finir. Et je crois que par la grâce du Seigneur, on va continuer. Voilà, Luc 9. Voilà, c'était pas Jean 9. Luc 9, 53. Si on peut afficher le passage à l'écran, comme ça, on va pouvoir le partager avec les frères et sœurs qui nous regardent. L'enseignement est long. Il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps est court à cause du couvre-feu et des obligations. On va bientôt arrêter, mais je crois que par la grâce du Seigneur, dimanche, on va continuer avec cet enseignement par la grâce du Seigneur. Or, il arriva, comme les jours où il devait être enlevé s'accomplissaient, qu'il affermit sa face pour aller à Jérusalem. Et il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans le village des Samaritains afin de préparer pour lui. Mais ils ne reçurent pas parce que ils ne le reçurent pas parce que sa face était dirigée vers Jérusalem. Et voyant cela, les disciples, Jacob, c'est-à-dire Jacques et Yohanan, dirent, Seigneur,
Veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume, comme l'a fait aussi Élisha, Élisée? Alléluia. C'est grave, frère. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Mais se retournant, il les réprimanda d'une manière tranchante en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les hommes, les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ainsi, ils allèrent dans un autre village. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des chrétiens qui envoient le feu. J'envoie le feu à mes ennemis, le feu sur ma grand-mère qui est sorcière, le feu sur mon père, des chrétiens qui ne vont plus rendre visite à leurs parents. Et tout ça, c'est le fruit de la cacophonie des enseignants qui ne comprennent pas les Écritures, qui n'ont même pas été appelés par le Seigneur et qui se lèvent pour commencer à enseigner des choses qui sont pernicieuses et qui entraînent les disciples justement hors de la vérité de l'Évangile, frères et sœurs. Donc, voilà un peu par rapport au partage. C'était une introduction parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire pour justement parler de la différence entre la loi et les grâces par rapport au fonctionnement aujourd'hui de l'Église. Donc, à cause du temps qui nous est imparti, on va arrêter bientôt l'émission par là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez le numéro qui s'affiche à votre écran. Vous pouvez appeler. Vous pouvez envoyer vos questions par SMS ou par WhatsApp ou vous pouvez appeler. D'accord? Et on. Par la grâce du Seigneur, si Elohim nous donne la vie d'ici dimanche, on va y répondre. Ou si on ne fait pas l'émission dimanche, on la fera demain en après-midi. Donc, qu'Elohim vous bénisse, qu'il vous garde chez vous. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi. Gardez-vous, respectez les mesures barrières par rapport au coronavirus. Sanctifiez-vous parce que Yahushua revient, il revient nous chercher. Que chacun garde son cœur dans la pureté, dans la sainteté, dans la justice. Et qu'Elohim vous garde chez vous. Bonne soirée à tous et à bientôt.